Shalom et bonjour peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Amani. Pour ceux-là qui viennent de me suivre aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je dis que la grâce et la bonté du Seigneur sont avec vous. Et pour vous qui êtes habitués à me suivre ou qui me suivez à tout moment lorsque le Seigneur le permet, soyez bénis. Et si c'est votre première fois de vous retrouver à cette chaîne, je vous demanderai d'activer la cloche de notification pour ainsi être mis à jour de tout ce que nous faisons sur CRL et tout ce qui se passe ici. Aujourd'hui, mon message, certes, s'intitule « La Trinité du mal pour la RDC ». La Trinité du mal. Seigneur, je prie et je remets ce moment et ce message entre tes mains. Je demande que la gloire, la grâce ainsi que la faveur de ton Seigneur puisse nous dominer et puisse être avec nous. Laisse que tout ce que tu fais en Seigneur, laisse que tout ce qui se passe soit pour ta gloire et pour ta puissance. Que celle la dignité de ton Seigneur puisse nous dominer et qu'elle puisse nous conduire dans le puissant et glorieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Je suis en train de parler de la Trinité. La Trinité représente quoi? Oui, la Trinité dit quoi? Ça veut dire seulement trois dans un, ou trois forces dans une seule, qui constituent ou qui représentent une seule chose. Ça fait, aujourd'hui nous sommes les 4 août 2022, je précède cette explication pour que quand je vais vous parler d'autres messages après, que vous compreniez pourquoi certaines choses ou bien certaines personnes sont citées dans certains. En parlant de la Trinité du mal, je vais ressortir trois grandes puissances, ou bien trois forces qui empêchent à la population congolaise de pouvoir arriver à s'auto-développer, ou bien à sortir de cette emprise des années et des années, où que la porte de la RDC s'ouvre. Ces trois choses, elles sont spirituelles, mais elles agissent aussi sous la forme physique. Mais nous la voyons seulement sous la forme physique, mais sous la forme spirituelle, on ne le voit pas. Parce que pour le voir, il faut être averti par l'Esprit de Dieu. Alors, la Trinité n'est rien d'autre à part trois qui se combinent dans un. Et le triangle de la Trinité de la RDC, il est composé de trois choses. Et je vais m'expliquer. 1. Les États-Unis. 2. La région des Grands Lacs. 3. Les politiciens congolais avec tous les mauvais serviteurs et les occultistes dedans. Par révélation, le Seigneur nous a dit que notre premier ennemi pour notre pays, c'est d'abord les États-Unis. Et les politiciens congolais, étant avertis ou pas, je ne sais pas, ils font des États-Unis notre premier ami, partenaire ou allié. C'est comme qui dirais-je, ton ennemi est ton premier ami. Et comme il est ton premier ami, il connaît bien tes faiblesses, c'est pourquoi il travaille toujours contre toi en te faisant croire qu'il est avec toi. Comment je vais dire ça? Si quelqu'un peut se rappeler de la petite histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient besoin de l'Iran. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient besoin de l'Iran. Et la grande quantité de l'uranium s'est retrouvée entre les mains de la Russie. Et avec le temps, il va comprendre qu'il y avait une grande partie, puisqu'ayant étudié et a fait des études du sol et du sous-sol congolais, ayant fait des études des siècles par les explorateurs, ils connaissaient que chez nous, il y avait une grande quantité de cette matière. Et déjà, comme la Russie représentait une force, lui remettre encore cette force-là, au travers des contrôles de minerais congolais, c'était une faiblesse et un échec. Comment la Russie devait être à mesure
de pouvoir contrôler les minerais de la République démocratique du Congo, puisque c'est au travers Lumumba. Comment? Puisque Lumumba est un communiste, si je peux le dire, il était allié à la Russie, et la Russie devait automatiquement prendre contrôle du sous-sol congolais. Et les États-Unis, voyant cela, ils se sont dit, nous devons aller récupérer cela. Mais pour récupérer, si nous nous passons comme ça, comme les États-Unis, on ne va pas comprendre, on nous dira l'interférence ou l'ingérence dans les affaires intérieures, on dira ceci et cela. C'est pourquoi je vous ai dit, pour vaincre celui qui a écrit, il faut entrer dans ses écrits, vous allez comprendre. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, c'est au travers la parole. Si vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez la bénédiction. Si vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez les malédictions, vous les évitez. Et pour vaincre l'homme blanc qui a fait la loi et les écrits, il faut entrer dans sa loi et dans ce qu'il a écrit. Voilà pourquoi l'Église doit être informée, instruite, elle doit être éduquée. Ainsi, vous allez avoir le temps de bien comprendre et combattre ceux qui vous combattent. Même quand nous sommes en train de parler des aspects spirituels des choses, c'est en étudiant les Écritures, en allant à l'école, dans des écoles théologiques et consorts, vous allez comprendre le manque de révélation, ainsi qu'avec votre connaissance et la révélation, vous allez pouvoir ressortir des choses que les gens n'ont pas encore compris. Alors, ils vont passer au travers les Nations Unies. Et c'est au travers des Nations Unies, la mission des Nations Unies qui avait été envoyée à l'époque, que l'on va tout faire pour déstabiliser l'armée de la RDC, de la et de l'époque. Ainsi, on va tomber sur Lumumba, on va l'arrêter. Et les Nations Unies qui étaient venues, c'était pour apporter un chaos, pas pour apporter une solution. Cela est passé, les années sont passées. Nous nous retrouvons maintenant dans la guerre du coltan, du cobalt, et que cela favorise la technologie, puisque celui qui détient les coltan et les cobalt détient le pouvoir électronique, le pouvoir nucléaire du monde. Et comme la Russie toujours a des avancées, il fallait encore que les États-Unis viennent contrôler ces minerais-là. Mais pour le contrôler, s'ils passent encore, ça va être compliqué. Voilà qu'ils vont encore monter une chose qu'ils appellent la mission de maintien de paix. Il est venu d'abord comme une mission d'observation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi les sous-secrétaires généraux, les représentants de la mission des Nations Unies en RDC, il y a deux postes. Ça reste toujours entre les mains des Américains ou bien la branche du Commonwealth, les anglophones. Les chief of staff, premièrement, c'est les sous-secrétaires généraux des Nations Unies. Le premier, vous vous rappelez, il était qui? Swing. Après Swing, il est venu Doss, Alan Doss. Après Doss, il y a Roger Lemaire. Et si vous regardez la succession, il n'y a que des Américains, Américains, Américains. Et on paie comme celle qui est maintenant, mais ce n'est pas grand-chose. Et il y a un autre poste, c'est le Chief of Staff. Le Chief of Staff, cela veut dire le chef d'état-major des troupes de la MONUSCO, il est toujours soit anglophone, soit directement ou indirectement du Commonwealth. S'il n'est pas un Indien, ça doit être un Anglais, ça doit être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, pourquoi? Puisqu'ils doivent recevoir des ordres. Bien que les troupes dépendent du pays d'origine où on les prend, mais ils reçoivent des ordres des Chief of Staff. Comment vous devez marcher, comment se passent les opérations, bla 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 bla. Plusieurs fois, je l'ai observé, que ce favoritisme est trop ouvert et trop clair. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils brandissent le bravo du M23. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils brandissent. Et vous allez voir que ce sont eux qui ont amené tous les systèmes et les mécanismes. Si on peut dire que, aujourd'hui les gens sont en train de dire que c'est Kabila qui a amené les étrangers dans l'armée, ben, il y a des choses que politiquement peut-être les gens ne comprennent pas. Ceux qui ont amené les formules, brassage, mixage, intégration et tout ça, ce
Ce sont des choses qui sont sorties des limites qu'on appelle les 2-2-3 R. La démobilisation, réinsertion, regroupement ainsi que rapatriement. C'est une section spécifique de la mission des Nations Unies. Mais après avoir regroupé les combattants, qu'est-ce qu'il faut en faire? On n'a pas voulu qu'on remette les combattants aller dans des camps de formation. On les a directement injectés dans l'armée pour rendre l'armée faible. Puisque une armée non formée, c'est un groupe de bandits. Et c'est ça ce que la MONUSCO a travaillé et a fait pendant tout ce temps. Mais la MONUSCO ne reçoit que des ordres des États-Unis. Elle est affamée communauté internationale. Si vous posez la question qui est communauté internationale, tout le monde se lève la main. Dans la communauté internationale, il y a les fameux France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, tout ça, tous ces machins-là. Mais ils sont échappotés par les gendarmes du monde qui est les États-Unis. Mais si les États-Unis et les gendarmes du monde, qui est les commissaires des gendarmes, qui donnent des ordres aux gendarmes, posez-vous la question. Je vous laisse la question. La première branche de la Trinité du Mal en RDC, c'est les États-Unis via sa bande qui est l'association de la MONUSCO. La deuxième branche de la Trinité du Mal en RDC, c'est les pays voisins de la RDC, notamment la région des Grands Lacs et tous les autres pays africains. À l'occurrence, ceux qui sont souvent pointés du doigt, c'est le Rwanda, le Ouganda. Il y a les Kenyans. Aujourd'hui, le Kenya est dans tout ce qui est domaine bancaire. L'Ouganda est dans les sols et les sous-sols. L'Ouganda, c'est elle qui a créé les ADF. Il a envoyé les ADF pour créer l'insécurité, pour ceux qui ne savent pas. L'Ouganda est celui qui crée l'insécurité dans la grande partie de la province orientale et consorts. Il crée l'insécurité, les gens fouillent chez lui, il justifie ça au niveau de l'HCR. Il récupère l'argent de l'HCR et cet argent de l'HCR, c'est ce qui lui aide à payer la police ougandaise et les payer au travers des réfugiés et les fonds qui sont décaissés pour la question, pour la problématique des réfugiés. C'est pourquoi vous allez remarquer que toute cette zone-là, Soudan, il y avait la question de Al-Shabaab qui a été, disons, dispersée et résolue. Le Soudan, la RDC, la Somalie et consorts, c'est l'insécurité qui est entretenu par l'Ouganda pour récupérer l'argent. Le Rwanda, il récupère ses parts pour la construction. Nous savons tous que le Rwanda, c'est un pays pauvre. Il ne dépend que des aides internationales. En 2009, lorsque la Suède avait dit que si on ne suspend plus ces histoires de viols et viols, et qu'on n'arrête pas les promoteurs de ces histoires de viols, la Suède ne donnera plus l'argent au Rwanda. Le Rwanda était obligé d'écarter un grand pion du CNDP à l'époque. C'est pour dire que le Rwanda, il tire gain dans ces choses comme nous le savons tous. Et le Rwanda ne peut pas construire son pays sans ceux qui volent en RDC. Mais dans les jours à venir, comme je l'ai toujours dit, je me plains et je me suis toujours posé la question. Mes frères et sœurs rwandais, lorsque Kagame ne sera plus là, lorsque mon collègue Kagame ne sera plus là, vous allez me poser la question, comment tu l'appelles collègue, tu es un président? Non, il est chef chez lui, je suis aussi chef dans ce que je fais. Je suis chef dans moi-même. Je l'appelle collègue, c'est pourquoi je le dis. Alors, dans toute cette zone, il y a aussi la Tanzanie qui se retrouve, le Burundi et tout. C'est ça la deuxième trinité. Et la troisième, qui est la plus mauvaise pour nous, c'est tous les politiciens congolais. Tous, depuis tous ceux qui sont là depuis presque 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Tous sont mauvais. Il n'y a pas de mauvais comme les politiciens congolais. Je vais vous expliquer dans un autre message. Vous vous rappelez des messages que j'avais dit où l'Éternel disait qu'il va frapper tous les députés. Et dans cette branche-là de députés, il y a aussi les hommes de Dieu, puisqu'ils entretiennent toujours des relations spirituelles avec certains hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu s'accrochent là-bas pour qu'ils soient défendus par tel politicien. Mais ils sont tous des occultistes, c'est pourquoi il y a beaucoup d'occultistes sectaires
des balles dans le pays. Et le mal, c'est comme ça que le mal est devenu partout. Pourquoi je dis que la troisième branche, c'est les politiciens? Puisque eux qui devaient mettre de l'ordre dans les choses, mais eux aussi continuent à entretenir le mal pour profiter de trouver leur gain de cause. Alors, dans toutes ces trois choses, si Dieu, dans tout ce qui s'est passé, comme ça fait longtemps, si Dieu laisse la communauté internationale apporter la paix, la communauté internationale va toujours s'imposer, elle dira c'est moi qui vous ai donné ça. Si on laisse à la région, Kagame et consorts, venir dire que nous avons apporté la paix, ils vont toujours tirer la gloire de leur côté. Et si on laisse aux politiciens congolais les soins d'apporter la paix, vous connaissez l'histoire, ils vont nous amener à les adorer, à les vénérer dans tout ça. C'est pourquoi dans la souveraineté de Dieu, dans toutes les trois forces, que ce soit la communauté internationale, la région, tous ces accords qui font régional, je ne sais pas, tripartite, consort, tout ça, rien ne va marcher. Même les politiciens congolais, personne ne doit tirer la gloire dans la victoire qui arrivera. C'est Dieu lui-même qui va s'imposer et il va la susciter comme il est en train de le faire. Souvenez-vous du message que je vous avais dit de l'anaconda. Il résiste, mais il va partir par la pression de la population. Et alors, c'est la population qui va faire fuir l'anaconda sans qu'il y ait le secours d'aucune main. Pour que quelqu'un ne se vante pas, ça sera l'œuvre de Dieu lui-même. Il va utiliser les mondes. Et les forces régionales, c'est la nature de Dieu qui va les chasser. Et les politiciens congolais, Dieu va les avaler. Dieu va vous avaler, vous allez disparaître. Ainsi, une nouvelle génération va commencer. Pour qu'il n'y ait personne qui tire gloire, qui avait des problèmes en RDC pendant 30 ans, 40 ans, c'est moi tel. Enfin, pour éviter qu'on nous fasse encore de faux héros et de prendre les gens, leur construire des monuments, comme on a fait avec le feu Étienne Tshisekedi du Père à son âme, on a appelé un héros, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire mourir les enfants, les jeunes garçons et les jeunes filles d'autrui, il a fini sa vie, il n'a même pas construit, ne fût-ce qu'une seule classe, durant 30 ans ou 37 ans qu'il a été au pouvoir, une seule école primaire de même de deux classes. Il n'a jamais fait, même un petit cantine. Mais on appelle héros, je ne sais pas. Puisqu'il a fait tuer les gens et qu'il doit être héros. Alors pour ces choses, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un tue sa gloire dans ces choses. La trinité du mal, elle sera détruite par Dieu. Et personne d'autre. Le temps est arrivé afin que chacun récolte ce qu'il a semé. Que Dieu vous bénisse. Ce message était adressé aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent. Abonne-toi. Je vais faire une suite de beaucoup de messages prophétiques. Et il est temps de les suivre. Ainsi, vous allez comprendre la schématisation de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Abonne-toi à la chaîne La Vérité. Nous serons en prière. Nous sommes là le mardi et le samedi pour l'étude biblique. Le 19, nous serons ici en Suède pour la prière, le croisière 19, 20, 21. Et aussi, nous allons commencer le mois de prière demain, aujourd'hui donc, à minuit, associe-toi à nous, et que Dieu te bénisse. Shalom.